Longue aura été la nuit électorale du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Prévu pour 21h, c'est environ 1h du matin que le scrutin démarre. Garantie de transparence oblige, selon le bureau du 12e congrès. Les candidats, tout comme les congressistes, votent dans l'ordre, la discipline et la transparence. Ensuite vient l'heure du dépouillement. Plus de 150 urnes à découvrir avec les exigences de la transparence. Les premiers résultats commencent à tomber à 3h du matin de ce dimanche 6 octobre. Un seul nom domine, le candidat Henri Conan Bédié, président sortant du parti, candidat à sa propre succession. Le dépouillement prend fin 5h après, les résultats sont implacables. Nous avions comme inscrit 4419 personnes. Comme votant, 3759 personnes, soit un taux de participation de 85%, ont obtenu le candidat Conan Kwadio Bertin, 115 voix, soit 3,07%. Le candidat Didier Madi Alphonse, 123 voix, soit 3,29%. Et le candidat Aimé Henri Conan Bédié, 3489 voix, soit 93,29%. Voici les résultats de ce congrès. Le nouveau président du PDCI-RDA s'appelle Aimé Henri Conan Bédié. Les congressistes pro-Bédié, sans doute avec les données de leur calculette, n'attendent pas les résultats officiels pour savourer leur joie. Le bureau du congrès, en donnant les tendances, prévoit une cérémonie de clôture cet après-midi pour bien faire les choses.